J'arrive pas à te protéger, Billy, je suis désolé. Ah, c'est bon, il est down. Donc, je vois pas trop comment faire pour le détruire, si ce n'est que peut-être utiliser un canon ou un truc du genre. Ouais, ils sont là-bas. Donc, on va essayer de prendre les canons qui sont là-bas. Oups. Voilà. Non. Zara est morte en tombant d'une échelle. Salut à tous et à toutes, je suis Seros et bienvenue dans la suite de Battlefield 1. Ok. Cette fois-ci, descendre l'échelle normalement, tu sais. Je vais éviter de me faire défoncer à chaque fois que j'ai changé une échelle parce que sinon ça deviendrait... Ce serait même plus drôle en fait à la fin. Oh, si je peux récupérer un truc sympa là-dedans, à part des petites grenades. Ouais, ouais. Donc du coup, je vais prendre ce truc-là et je vais viser mon petit tank préféré. Ah. Ah, il bouge. Il bouge. Il bouge, il bouge, il bouge, il bouge. Recharge, recharge. Il est pas censé bouger. Putain de merde. Nope. Non, 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 non. C'est bon. Recharge ça. Putain, le rechargement est tellement long. Putain, c'est... Oh, fuck. Ah ouais. Ah ouais, mais là, il me pardonne pas, là. C'est pas bon, là. On tire deux canons et on se casse ici. À se faire défoncer par un autre canon, tu vois. Alors, je peux peut-être en tirer une troisième. What? C'est bon. C'est bon, j'ai résisté. Oh mon dieu! Une violence quoi! Oh putain, j'ai réussi à faire un shoot au vol! Ah, je suis fier de moi! Ta gueule! Allez, tourne, 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 tourne. Tire! Oh fuck you! Tire! Vite! Tire! Tire! Pas le temps de réfléchir. Oh mon dieu! Grenade! Oh oh oh! Ça c'était violent. Ah, il a pas aimé, je crois. Ah, moi je te ferais dire qu'il a vraiment pas aimé ce qui lui est arrivé. Oh, j'ai fait péter son canon carrément. What the fuck? Aïe, 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 please. Laissez-moi prendre une munition. Arrêtez de me tirer dessus. C'est pas parce que c'est la guerre, hein, qu'il faut se donner à cœur joie comme ça, hein. Attends, tu sais quoi? Je vais prendre mon arme. Je vais prendre ma méga arme. Je vais prendre... C'est sur 3. Voilà. Ah, 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 ah. J'ai trouvé un endroit où je peux me poser tranquille. Clairement pas ici. Ici ça pue un peu. Hit. Allez, ça l'a fait mal ça. Allez, 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 allez. Allez, c'est bon ça. J'aurais dû utiliser ça depuis le début. L'arme qu'on peut utiliser qu'à longer, tu sais. J'en ai encore. J'en ai plus, j'en ai plus. Je sais où il y a des munitions pour ce truc. Mais mec, qu'est-ce que tu fous? T'as le stress? Ah merde, il est mort. Je sais pas, il a arrêté de bouger comme ça d'un coup, il est fou. On récupère des munitions pour ce truc. Ok, là il est down. Oh putain, ça c'est de la moquette, tu sais. Ils ont oublié de mettre de la soupine dedans. Tout rigide et tout, franchement, c'est pas cool. Vas-y. Vas-y, viens. Vas-y, viens, 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 viens. Voilà, il se casse, il se casse, il se casse, c'est bien. Fuck you. Allez, on s'allonge. Tire. Bon, ça fait mal, ça pique. Il m'en reste un. Et après, il faudra attendre que je trouve une autre arme. Parce que là, ça va pas le faire. On va l'avoir, on va l'avoir, on va l'avoir. Presque. Bon, il faut que je trouve une putain de caisse à munitions. Dis-moi qu'il y en a dedans. Oh non, c'est nul ça! C'est nul, mais j'ai pas le choix! Ici, c'est quoi? C'est le même chose. C'est la même chose. En fait, ce que je peux faire, c'est que je peux mettre plein sur les rails, mais il faut s'approcher des rails par contre. Hein. Allez! Là! Oh fuck you! Franchement, c'est de la merde! C'est bon, cours, 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 cours! On va pas rester deux endroits au même. Enfin, on va pas rester longtemps au même endroit.
Allez, ça c'est parfait. Please, soyez conciliant avec moi. Mes amis, je découvre à peine le jeu. Je viens d'arriver. Je suis un noob. Fuck me. In. Nope. Ah, fuck you. T'es sérieux, cette arme elle est chiante, franchement. Allez. Presque. Encore une. Encore un. Allez. Ah. T'es down, mec. C'est bon, il est down. J'ai eu peur. Comme ça qu'on détruit un train, les amis. En beauté. C'était compliqué. La vengeance peut être douce ou amère. Comment est-elle pour toi, Zara? À la fin de la Grande Guerre, les Ottomans ont été chassés d'Arabie. Cependant, l'Empire britannique et la France sont revenus sur leur promesse de la dépendance arabe. T. Lawrence reste un personnage controversé. La guerre pour le pétrole se poursuit encore aujourd'hui. Eh bien, c'était cool! J'ai aimé, c'est super! Waouh! Je suis pressé de voir les autres histoires du coup. Putain, c'est vraiment cool, franchement. En fait, avec cette fonction de, tu sais, d'histoire un peu imbriquée, du style, ils font des mini-épisodes, ils peuvent se permettre de faire des DLC sur toute l'année avec des nouvelles histoires en mode solo. Ce qu'ils n'ont jamais vraiment fait dans les autres Battlefield, donc si sur celui-ci ils le font, a priori on risque d'avoir une campagne pour la version, on va dire, la campagne française. Et je sais pas si les Russes arriveront aussi dans la guerre ou pas, on verra bien. Quoi qu'il en soit, on va maintenant se lancer sur quelque chose d'autre. Apparemment j'ai raté beaucoup de choses. Je sais pas ce que j'ai raté, mais j'ai raté des choses. Vosges, France, printemps 1917. Les alliés perdent la guerre aérienne. L'aviation allemande domine sur le front occidental grâce à des appareils plus efficaces et un aéropadage d'as de camp de nombreuses aériennes. La grande Royal Flying Corps britannique peut la peine. J'ai essayé de lire vite, j'ai pas réussi. La Royal Flying Corps britannique peine à concurrencer. La plupart des pilotes remplaçants ont une expérience de moins de 10 heures de vol. L'espérance de vie moyenne des pilotes est de 17 jours. De nombreux nouveaux modèles d'avions sont lancés dans le ciel de France. Ces innovations sont des paris. Certaines sont efficaces, d'autres sur des cercueils volants. Les pilotes sont contraints à utiliser des technologies balbutiantes. Ceux qui s'en sortent font preuve d'une belle capacité d'adaptation. Ou ont eu beaucoup de chance. Bah, on verra si j'ai de la chance. Alors, en général, je suis pas très 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 efficace quand il s'agit de vol aérien. On verra bien. Mais j'ai plus rien à miser, là, abruti. L'avion. Bien sûr. Après tout, qu'est-ce que je risque, hein? Je vais te plumer, de toute façon. Que tu crois? T'as quoi à me montrer? Tu peux ramasser tes dents, Blackburn. Ce coup-ci, j'aurais dû t'avoir. Tu sais quoi, cet avion, je vais quand même le prendre. Mais qu'est-ce que tu... Putain, c'est quoi ça? T'as perdu, je t'ai battu! Ouais, je sais, mais le truc, Rackham, c'est que c'est vraiment un putain de bel engin et... Avec toi, t'es une sacrée raclure. Hé, je t'ai battu dans les règles, t'as pigé? Je t'interdis de poser tes sales pattes dessus! Enfoiré de mes deux! T'as pas le droit de me faire ça, je t'ai battu!
Je t'ai fait mordre la poussière. Je m'appelle Clyde Blackburn. Je suis pilote et plutôt gros joueur. Je suis Jean Dragam. Tu sais pas qui t'as affaire, espèce de connard. T'as pas intérêt à toucher à mon avion, t'as compris? Quand on me demande quel est mon plus gros défaut, je réponds que... je ne suis pas quelqu'un de tout à fait honnête. Des amis haut placés. Bienvenue à bord. Moi c'est Wilson, mon nom, et tu dois être George Rackham. Ouais, c'est moi Rackham, ton pilote. C'est tellement salaud. Quelque part, il a peut-être sauvé la vie, hein. C'est parti. On fait décoller cette beauté. Donc t'es George Rackham, le fils du quatrième comte de Windsor. C'est ça. Lui-même, vieille branche. Wouh! Commence directement dans les airs. On va vous montrer comment on se crache allègrement avec ses rosses. Le Bristol était aussi efficace qu'on le disait. Waouh. Un vrai plaisir à piloter. Le soleil brillait. Tout aurait été parfait si j'avais été seul à bord. Mais évidemment, ça ne marche pas comme ça. Hé, derrière! C'est une belle journée pour un pique-nique, tu ne trouves pas? D'accord. Tu vois cet avion devant? Ouais. Il faut que tu le rattrapes. Ok. Ouais, ouais. C'est quoi ces ballons en dessous? Écoute, là, ils servent à quoi? Je connais un endroit où on pourrait se dégoter des petites françaises. Pourquoi tu me parles de filles? C'est un vol d'essai. Oh mon dieu. Le trajet que cet avion trace pour toi. D'accord. Il y a un avion écrasé là, c'est normal? Apparemment. Je suppose que c'est normal. Il est où l'autre? Il est là. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh mon dieu. En fait, non, c'est très mauvais. Très 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 mauvais. Objectif atteint. Oh, je suis très nul en pilotage d'avion. Vois comme l'avion réagit aux manches. Reste tout près de lui. Peut-être que j'arriverai à piloter un peu avec... grâce à cette vidéo. On sait jamais. Ça peut être sympa. C'est le pilotage. Ouh. Même si t'as pas vraiment suivi le manuel. Ta gueule. Alors jette ce maudit manuel et vis un peu. Où est-ce qu'il va maintenant? Laisse-le. Tu vois ces ballons cibles? Vérification d'armement, feu à volonté. Oh, ok. Ça je peux faire. C'est où? J'avais vu les ballons tout à l'heure. Mais maintenant je sais pas où ils sont. Ah, ils sont là. Ok, très bien. Cassez les ballons. Ouais. Wouh. C'est un sacré coucou. Il reste des ballons. Approche-toi et tire. Entendu. Wouhou. La concentration est au maximum. Cyrus ne sait plus se contenir dans sa joie ultime que d'exploser des ballons avec des mitraillettes. Oh fuck, non! Clyde est mort. Bizarrement, les roquettes font vachement penser à des petites fusées. Tu sais, du style fusée de Noël, tu vois. Ou du jour de l'an, quoi. C'est en juillet. C'est tout ce que tu veux, quoi. C'est bon, c'est la dernière. Yeah, baby. Si, je peux te poser une question? Comme tu Bien veux. Sûr. Pourquoi George Rackham, fils du quatrième comte de Windsor, parle-t-il comme un Américain? J'attrape facilement les accents. Je parlerai probablement comme un Français une fois les Allemands battus. Je vois. Tu es quelqu'un de très méfiant, Wilson. On ne te l'a jamais dit? Il a de quoi être méfiant en même temps, hein. Nom de Dieu! On est moche, on fait quoi? À ton avis, on les envoie dans le décor. Ils sont là en mode mission d'entraînement et d'un coup on se fait attaquer par des ennemis. On est avec notre allié. Il va tous les défoncer à notre place. Non, apparemment non. Wow! Oh putain, ce qui est génial, c'est que... Allemand ne joue pas, accroche-toi! Les avions... Bouge. Ah! Comment je fais pour... Je veux tourner! J'ai quelque chose pour toi! Je veux faire des roulis et tout, je vais faire des barrel roll! Comment on fait? Laisse-moi faire des barrel roll, bordel de merde! Voilà! Génial, c'est la destruction du la destruction de l'avion en temps réel. Il est down. Tu peux répéter ça? Ow. What? Il a pas le droit d'essayer de se faire cravacher. Répare ce que tu pourras depuis l'avant. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. C'est bon. Tu vois qu'il réparait vraiment les avions en vol? Ça peut être assez intéressant quand même. Totalement. Oh non.
comme ça. Oh, bordel de fuck. J'essaye. J'y arrive pas. La musique est épique et tout, mais concrètement, c'est pas cool. Quel dogfight de malade, mes amis. Quel dogfight de malade. Oh, fuck you. Pas sérieux. Il est fort, hein. Il arrive à éviter tout ce que je fais, là. Ah, il est en feu. Il va essayer de faire un looping. Non. Allez, il est mort. Allez, touché. Yeah, baby. Yeah. Où est-ce qu'il va, d'après toi? Par là. Et on se lance à cette course. C'est pas une bonne idée, je pense. On va essayer de le rattraper, mais c'est pas facile. Hein. Qu'est-ce que tu fais? Faut rentrer maintenant. On s'en fout. Wow. Il s'est pris une roue dans la tête. Oh merde. À couvert. À couvert où? Eh ben ça alors. Prends photo. Oh, c'est excellent. Le mec a pu prendre des photos nettes. Alors là, moi avec mon iPhone, j'arrive même pas à prendre une photo nette, tu vois. C'est comme ça qu'on a découvert accidentellement où les Allemands entreposaient leurs munitions pour la moitié du front ouest. Fuck. Et les photos de Wilson allaient aider le QG à préparer un assaut d'ampleur. Avec juste un léger souci. Ça, j'en suis pas si sûr. C'est bon, je te dis. On a fait un super coup. Ça vaut bien une médaille. On n'était pas censé survoler cette zone. Quand le commandant verra ces photos, il sera bien content. C'était un coup de maître. Martial. Et on peut le refaire. On va passer un marché. Si tu veux que je ferme ma gueule, alors tu dois me faire la promesse. Que tu me ramèneras en un seul morceau. Ouais, compte sur moi. Jure-le. Je veux ta parole. D'accord, c'est promis. Toi, tu restes ici. Et tiens-toi tranquille, bon Dieu. Entrez. Bon, je l'aimais bien, ce type. Mais il était un peu naïf. Monsieur, je pense que ceci vaut le coup d'œil. Grand et divine, je veux bien avoir assez. Monsieur, un sacré pilote. Ah putain. Nous avons presque aussitôt repris l'air. Notre mission consistait à ouvrir la porte. Et Rakam, il s'est pas pointé? Pour qu'il puisse détruire cette forteresse. Avant tout, il faudrait détruire ce barrage de dirigeables. Bon sang. Je plaignais presque les observateurs Bosch. Ensuite, il faudrait s'occuper des camions de DCA. Ok. L'assaut battait déjà son plein à notre arrivée. J'avoue. Il allait falloir s'occuper de toutes ses défenses, puis escorter nos bombardiers jusqu'à la cible quand ils approcheraient. Une mission difficile. Comment le territoire était. Changerait le cours de la guerre. Comment le territoire était défoncé en galère forêt et brûlé. Une situation qui n'enchantait pas Wilson. Maintenant qu'on est en action, ça a vraiment l'air dangereux. Fais-moi confiance. Allez, goûte quand même ta ceinture. Ah bah, c'est le dirigeable. Wouh! C'est facile! J'envahis mes arrières! Ouais, mission facile, ouais! Détruire des dirigeables, rien de plus simple pour moi! Mortel! Les camions de TCA s'installent en dessous! Où ça? Je les vois! Mettons-les vite hors d'état de nuire! Wow! Oh putain! Ça bombarde dans tous les sens! On va aider notre pote! Il en a vraiment besoin! Allez, c'est bon, il est down. Tire sur ces camions. Vole pas. Allez, c'est bon ça. On l'a eu. Bon travail. Faut qu'on se fait tirer dessus, mec. Les bombardiers sont là. Oh, ça va faire mal. Suis la formation de bombardiers. Éloigne-en les chasseurs allemands. Du ok, gâteau, très bien. Wilson. C'est du gâteau, ça.
On va détruire celui-là en premier. Oh, il est mort direct. On a perdu un bombardier. Déjà ? Il faut qu'ils atteignent la forteresse, ils sont sur un échec. Ouais, je ouais, sais, je sais. T'as compris ? Ok. Non, 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 non. C'est bon, les bombardiers font leur boulot. Et ça, ça fait plaisir. Aïe! Les alliés sont pires que les ennemis. Non, en fait, non, mais c'est juste moi, en fait, qui... Je sais pas voler en formation. Pas de ma faute. Il est où, l'autre? Il y en a un qui est quelque part. Oh, putain, ça, là, ça va chier. Oh, putain. Très bien passé, même. Je crois qu'on s'est crashé. Je suis pas sûr. Mais il y a des chances. L'avion était détruit. Il s'était écrasé dans le No Man's Land à un peu moins d'un kilomètre de l'endroit où j'avais été abattu. Wilson, le pauvre, y était resté. Triste pour lui, mais j'avais des problèmes plus urgents. Il lui avait promis quand même. Il lui avait promis qu'il allait ramener vivant. Oh, j'étais en parachute. Il y a des parachutes à l'époque. Quoi qu'il en soit les amis, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. N'hésitez pas à me le faire savoir avec un pouce bleu et partagez avec vos amis. On se retrouve dans le prochain épisode. Je vous fais des bisous tout partout. C'est Ross.